abonne-toi, ça vaut mieux pour toi. Salut à tous, c'est Sigon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Sheltered 2. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va essayer de construire. Donc j'ai un peu regardé juste avant de lancer. Donc on va essayer d'avoir de faire le garage, l'armurerie, ces deux trucs que j'aimerais obtenir. Et après, on va essayer d'améliorer tout ce qui est toilette, douche, lit. On va essayer de tout passer au niveau 3. En fait, le temps qu'on atteigne le niveau 4, ça va être long. Et donc, autant utiliser du niveau 3 au maximum. Et on va tout de suite lancer la citerne d'eau. Ça passe ici. Ouais, nickel. Allez, on répare. Nos deux personnages s'entraînent. On vient de dormir. Les bas gamers, il en reste 52. 95 ici. Là-dedans, il n'y a rien. Ok, c'est parfait. On va voir si on peut fabriquer quelque chose. Non, on n'a plus rien du tout. Ok. Il est temps de planter les graines. 16-21 degrés. Pomme de terre, allez, c'est parti. Faire de l'exercice, tu fais après. D'abord, tu fais la planteuse. Voilà, tu feras ça. Dès que tu as fini ça, tu répares ici. On est quand même pas mal bien. 232 flottes, 148 en aliments, 18 en combustible. On n'en consomme pas trop vu qu'il y a des éoliennes. Car il y a gagnant dextérité. Le jet de sable, de temps en temps, on est obligé d'utiliser. On prend tout, comme toujours. Allez, c'est parti. Du coup, on va nous le faire. Il s'entraîne. Ouais. Ah. Il y a deux personnages. On va aussi réparer ici. Ah. Une nouvelle recrue. Pas une nuit avec moi, pas d'ennui. Ouais, bah j'espère bien. Oui, allez. Et on a Franck qui nous rejoint. Allez, c'est parti. Tu t'entraînes. Ouais, tu peux continuer à t'entraîner. Elle est affaiblie. À cause de la dernière fois, elle est tombée dans les pommes. Pic nerveux, se sent bien, moral, froid. Il a des compétences. Ah. 7,5% de chance en moins de faire une dépression. C'est pas négligeable. Gary, faut t'entraîner encore, hein. Allez, hop, hop. On est là pour faire des machines de guerre. Armes contendantes. C'est pour ça que je veux l'armurerie et le garage, en fait, pour voir si on peut commencer à crafter la bicyclette. Fermé. Alors Kenneth, là ça pousse, ouais, tranquillement. Est-ce qu'on a des récolté des objets? On prend tout. Est-ce qu'on a encore quelque chose à recycler? On regarde, on fait vite tour. Rien à recycler. Est-ce qu'on a quelque chose à réparer? Il nous manque du cuir.
Alors, qu'est-ce qui nous manquerait pour le garage? 6 ciments, 3 calcaires et 2 métal. Le métal, on peut en faire un. C'est mieux que rien. Le ciment, le calcaire, il nous manque de la pierre. Le ciment, il manque du sable et du calcaire. Ok. Ok. On va déjà faire le métal. Après, qu'est-ce qui nous manque pour l'armurerie? 5 écrous et boulons et 6 métal. Ah ouais, ça demande beaucoup de métal. Donc 5 boulons et 6 métal. Ok. Pas absolument du métal. Assez, porte-bloc, information, glossaire. Non, c'était pas glossaire. Porte-bloc. Le nouveau venu. On va le régler correctement. Là. Ah, t'as fini, tu le répares. Tu répares ce que t'as fait. Je me demande combien de temps c'est, combien de temps ça dure, le fait qu'elle soit affaiblie. Courage, on va mettre grand courage. Ah, c'est la bagarre. Bon sang, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment pas le moment. Genre, on est en train de se faire attaquer, tu n'avais pas remarqué? Attaquer là en poste ou défendre là en poste? Attaquer là en poste. Focus le mec au flingue. 43, saignement. 39. Néné vous a ajouté à sa liste de contacts. Ok, je sais pas qui c'est. Ok, déjà l'homme au pistolet. C'est réglé. Va falloir le dézinguer. Un jet de sable. Il y a Janet qui est en mauvaise posture. Ah, on a de la pierre, du métal, ça aussi, on peut recycler, ça aussi, on a du calcaire, du ciment directement, un livre, grâce à votre aide, CTK Mob a réussi à revendiquer la région appartenant à Rose Noire, CTK Mob, réputation plus 50. Ok, d'accord. Ça prend aussi en compte les actions comme ça. Ok, ça c'est cool. Coup de demande des marchands. Dès que t'as fini de manger, toi t'es encore tout beau, tout frais. Bon, entraînement. Ah, on va les faire devenir des machines. Jusqu'à qu'on a un groupe surentraîné. Afficher le territoire. Et ils sont encore là, quoi. Et là, on est trop en mauvaise posture pour refaire un combat directement. On va aller faire. Dernière visite il y a 13 jours. Alors, ce qu'on va faire, modifier l'itinéraire. Passer vite ici, vite ici, et vous rentrez à la base.
Alors, Kenneth, il sait pas quoi faire. Bon, vas-y, nettoie vite fait l'établi. L'abri. Ouais, il pourrait aussi nettoyer l'abri. Ça va, j'ai remarqué le groupe électrogène, il prend pas trop de dégâts, hein, c'est assez durable. Par rapport au reste dehors, qu'il faut tout le temps sortir et réparer. Allez, ils sont en train de fouiller le lieu. Là-bas, la tomate, elle est à 83%. On va bientôt aller la récolter. Alors, afficher objet. On prend. Alors, Gary, il sait pas quoi faire. Un peu de course, allez. Lui il se demande dans quoi, dans quel bunker il est tombé quoi. Il arrive, ouais, vous cherchez quelqu'un, ouais, vas-y, rentre. Alors, ils le font courir, devenir une machine de guerre. Alors. Et confiance, 3 étoiles, réduit le temps nécessaire pour attirer une recrue ou un marchand en utilisant la fonction de balayer sur la radio. Oh là là. Nickel. Rencontre sur la caravane. Allez, on fuit. La fuite a échoué, ok. Le gars, il nous cherche en bruit. Bim. Headshot. Voilà, nickel, du métal, tout ce qu'on veut, des graines, un pot de peinture. Et en plus, on a encore les objets qui sont à l'intérieur de la caravane. Ah, Gary est devenu déjà tellement puissant, il a déjà plus besoin du punching ball léger. Vas-y, dès qu'il a mangé. Dès que t'as fini de nettoyer l'abri, tu vas les récolter. Ok, du coup. Ah, on n'a pas de graines, pas de chance. Par contre, attends, planter des graines. La tomate. Bon, ça vite fait, voilà. Prêt. Voilà, on mélange un peu pour avoir un peu de diversité. Pas toujours manger la même chose. Ça fout un coup au moral si vous mangez tout le temps la même chose. Et ça, je vous dis ça parce que j'ai mangé pendant 2 ans, pendant mon apprentissage, des sandwichs jambon beurre à midi. Et le jambon, je ne peux plus le voir en couleur. Et vraiment, c'est. Y'a de quoi vous dégoûter. Vas-y, toi, appelle des marchands. On va aussi marchander un maximum. Un 3 étoiles, y'a. Ah, ouais. On se fait un bon repas. Ah, ils arrivent de la mission. Alors, tout de suite, Janet. Bandage utilisé. Elle saigne plus? Comment ça se fait? J'ai la gagne en dextérité. Jet de sable.
D'accord, j'avais jamais vu caractéristiques négatives, laideur. Les conversations positives vous octroient 25% de points de relation en moins. N'importe quoi, elle est très belle. Et de la connerie. Alors. Martha, faut qu'elle dorme absolument. Là. Ah, voilà, là il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Ah, c'est elle. Il a surtout soif. Et donc, boire de l'eau. Aller à la douche. Et puis aller dormir. Janet, elle, boire de l'eau, il va à la douche, le faire en attendant, aller aux toilettes, c'est déjà utilisé, ok, elle boit déjà de l'eau, oh non, non, vas-y, prends la douche, d'abord, tranquille. Gary, continue de t'entraîner. Martha, va dormir, qu'est-ce que tu fais? Tout le temps à moitié en train de crever. Recycler les objets qu'on vient de ramener. Alors, ça se recycle. Ça se recycle ici. Ça aussi. Un fusil à pompe, on va le recycler. Les deux pistolets aussi. Pour l'instant, on ne joue pas avec ça. Je me demande si on va pas les démonter un peu les seaux. On les refabriquera quand on en aura besoin. Ah, déjà ça, on va recycler après. Réparer de l'équipement. Un peu, ça c'est du cuir. Il y a déjà au moins un équipement qu'on peut réparer. Est-ce qu'on va essayer d'aller au niveau 3 des réparations? Donc. On va faire utiliser les toilettes. Manger un bon plat. Il pourra aller à la douche. Ouais, après, faudra qu'il aille dormir. Gary aussi doit aller dormir, mais il doit aller manger aussi. Ça fait du monde à gérer. Ça va bien. Encore un qui attend sans rien faire. Un Gilles, non, jet de sable, c'est déjà bon. Attaque de recul. Artère tranchée, tir ciblé, entraînement à distance. Ah voilà, réflexe. J'augmente les chances de contre-attaque de 10%. Alors, quand ce personnage en soigne un autre, non. Réduit le montant des dégâts infligés par des attaques de 10%. Ouais. Récolte la plante. Là, tu peux réparer ça, réparer ça, réparer ça. Et. Non, on va plutôt faire comme ça pour le dernier. Let's go, c'est parti. On refait le tour des personnages. Franck est en train de se doucher, il va aller dormir. C'est bon. Gary, là, il va manger, puis il pourra aller dormir.
Martha, à la fin comme tout, je vais lui donner une patate 3 étoiles. J'ai récolté et pas de graines. Aïe aïe. Faux de gras. Et Linda, elle est enfin à la douche. Du coup, ils peuvent déjà repartir. La Linda, elle est vraiment morale. Elle est vraiment basse en morale. Aïe, 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 aïe. Mais on peut déjà. Zeppé peut repartir. Janet aussi. Et Linda aussi. Ils peuvent déjà repartir. Ils ont des points de compétence, dextérité. Donc on va. Les contre-attaques. Ok, on va les faire repartir. Voir la carte, afficher les territoires. Ici, il faut qu'on revienne redéfendre ce poste. Au niveau de puissance 2. Ah, là, c'est niveau de puissance 4. Puissance 5. Ah ouais, vers là, à mon avis, à la base. Je remarque tout autour de nous, il y a CTK mob. Ils sont beaucoup là. Et ça, on pourrait récupérer, contrôlé par Rose Noire, niveau de puissance 1. Ça a l'air pas mal, ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas encore assez puissant. Ça, c'est à nous. Ça, c'est qu'à puissance 3. On n'est pas encore assez costaud pour du 3. On peut faire jusqu'au 2, je pense. Le 3, c'est un peu chaud. Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas un peu explorer? Là, vers là, on sait pas trop ce qu'il y a. Ouais, on va faire ça. On va explorer. Giuseppe et. Non, pas Martin, non, non, pas Martin. Alors, armes, s'il vous plaît. Ouais, équipement, on peut le aussi faire. On équipe. C'est dommage qu'on n'avait pas le matos pour, parce que là on aurait pu se faire plaisir. Elle a 7, rien qui fait 7. Une batte level 3. Et elle a 8. Une batte level 3. On joue, on est passé là. On joue ici. On va déjà aller là. Lors de montrer. Voilà, aussi. On va traverser ici. On va fouiller. Hésiter. Et là, ça fait aussi longtemps. On joue. On fouille. Ça, c'est à 7 jours. Puis on rentre à la base. Et on rajoute.
130. Il pleut, on remplit nos réserves. Kenneth Myrmit. Réparer ça. Aussi peut-être réparer ça. C'est pas de la pluie radioactive, du coup ça va. On peut sortir. En même temps, quand il sort, quand il pleut, ça leur fait prendre la douche. Vous avez vu, saleté, automatique. Il est tout propre. Elle, c'est vraiment devenue un zombie, la Martin. C'est un truc de... Depuis qu'elle a été réanimée, hein, c'est un truc de malade, ça. Faut la réparer, faut réparer, toi. Répare, répare. Donc, allez. Faire de l'exercice, compétence, dextérité. On met dans les esquives. On récolte les objets. On vérifie quelque chose. Le métal, c'est bon. Il nous manque juste le ciment. Alors, est-ce qu'on... On peut faire un comme ça. On peut faire un comme ça. On regarde aussi pour l'armurerie, tout de suite. 5 écrous et boulons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, au cas où. On va peut-être avoir l'armurerie. Ouais, l'armurerie, on peut la faire. Ah ouais, c'est... Et l'armurerie, quoi. Avec fourreuse et tout. La perceuse. Perceuse à colonne. Alors... Bah, on va voir ce qu'on peut fabriquer là-dedans. Une douche avec du savon, ça va peut-être lui remonter le moral. On rencontre avec les roses noires. Ah, on fuit. A mangé un excellent repas, dormi dans un lit confortable, personnage guéri. Un homme normalement a pris une douche avec du savon. Qu'est-ce qu'elle a? Pas de vomir, mais qu'est-ce qui arrive? Intoxication alimentaire. Ah là 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 là. C'est notre dernière anti-hémétique. Ah ouais, mais c'est pas cool ça. Je me demande aussi. Et il voit pas ça ou. De fou. Ah bah maintenant c'est trop tard. Hein. Puis bah, si tu lui dis pas qu'il y a le feu juste à côté de lui, il le voit pas quoi. Dépêche-toi de réparer ça. On va faire venir un marchand. Oh, une laisse. Ça, c'est cool. On prend. Normalement, il y en a. C'est des flèches. Zombie. Vas-y, plante une graine.
Toujours le plus pourri, t'en premier. On garde un max pour plus tard. Alors, l'armurerie fonctionne comme les autres objets de fabrication. La nouvelle arme et munitions pavillées de fabriquer vous permet de réparer des armes. Okay. Alors, de la cordite. C'est ici qu'on peut fabriquer la cordite. Je me rappelle que j'en avais besoin pour quelque chose. Carreau d'arbalète. Oh. Des munitions. Batte de baseball à pique. Fiche plus de dégâts qu'une batte standard équipée comme arme pour les expéditions pendant une intrusion. Forte requise 9 seulement. Ça enlève en plus. Ça enlève 1 de force pour la batte. Ou je me trompe peut-être, c'est la force requise 8. La batte et c'est l'acrobat, le pied de biche qui est de 10. En tout cas, dégâts 35-45, précision plus 20%, spécial 50% de chance d'infliger saignement, plus 10% de chance d'infliger essoufflement, couronne énergie 4. Ah ouais, tout électrique, bon ça on a déjà trouvé, hachette longue. C'est la hachette, il faut force requise 12 et celle-là faut 13. Ah ouais, bâton clouté. Un morceau de bois avec des clous à l'extrémité pour accroître les dégâts. Ne peut plus servir la fabrication, équipé comme arme pour les équipes. Force requise 5, c'est encore mieux qu'un couteau quoi. Tuyau fourché. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Et arbalète. Oh là 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 là. Une arbalète en vrai, c'est violent mort. Et du coup, là, on aurait des munitions pour pas cher avec du bois et des copeaux de métal. Ouais, ouais, c'est pas mal. Niveau 1, quoi. D'accord. Non. Ce qui m'intéressait, c'est batte de baseball à pique. C'est vrai que ça, ça serait pas mal aussi, hein, pas de coulis. Je veux dire, ils sont presque tous à la batte. Et quand ils sortent de l'abri, on les a déjà au moins mis jusqu'à force 10. Ça sert à rien, quoi. Ou vaut mieux faire les battes de baseball à pique. Ok, ok. Et on peut aussi réparer. Je vais voir si ça compte. Si ça compte. Attendez, je vais juste vérifier. Objet réparé 14 sur 25. Ok, vas-y. On va voir si ça compte comme objet. Ça serait cool. Hein. Ça veut dire qu'à chaque expédition, je rencontre sur un poste. On va l'attaquer. Ok. On sait pas pourquoi. Au moins la vision altérée. Lui, il est vraiment efficace. Voilà. Voilà. Il avait tout fini. Alors, est-ce que ça a compté ou pas? Ça a compté. Alors là, c'est vraiment beau gosse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ils rentrent des expéditions avec les... avec leurs armes, on les répare et ça va augmenter. Du coup, on va bientôt déverrouiller le niveau 3. On va voir ce qu'on va pouvoir fabriquer. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Ça va bien nous aider. Et du coup, on regarde vite fait. Juste encore pour le garage.
Métal et ciment. Niveau 3, on a rien possible, non. Ok. Métal et ciment, c'est ce qu'on va chercher dans le prochain épisode. On va voir le timer. On est passé largement la barre des 30 minutes. Je ne fais plus trop attention. Donc les amis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, n'hésitez pas à partager tout ça, tout ça. Et puis nous, au prochain épisode, allez, tchou! Moi je me casse.